Salut les amis, c'est Fashrem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de King's Quest. On s'était arrêté avec toute la famille de Graham et Graham lui-même dans ce qu'il pensait être un hôtel pour passer un petit séjour. Et ça va pas se passer comme prévu, évidemment. Sinon, ce serait trop simple. Donc, d'après ce qu'on sait, sa fille et sa femme se sont fait enlever et il va devoir s'en sortir avec son fils qu'il vient de retrouver après plus de 18 ans, je pense que c'est 20 ans de où il s'est fait enlever aussi lui, donc décidément tout le monde se fait enlever dans cette famille pour essayer d'avancer dans des pièges retors et etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et voilà, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. À tout de suite les amis. Une cible était placée de l'autre côté d'un gouffre. C'était le moment idéal pour donner à Alexander mon plus grand cadeau. Je pense que l'heure est venue. L'heure de quoi ? L'heure de bouffer ! J'ai un cadeau pour toi. Il t'est dû depuis longtemps. Vraiment ? Attends un instant. Ah ! C'est bon, le voilà. Un arc, c'est quoi ce rien cadeau que pourri. Pour toi. Nous allons enfin pouvoir devenir un vrai petit duo d'archers. Oh, un arc. Merci. Tu n'aurais pas dû. Essaye-le. Ok. Comme ça. Ah bah oui, il va lui apprendre. Non, attends. Laisse-moi faire une il petite correction. Il va lui apprendre à manier l'arc un petit peu comme Achaka l'avait Dis-moi fait avec quand. Lui. Là. Visualise la cible venant vers toi. C'est foireux. Tu y étais... presque. T'es mauvais. Merci pour ce cadeau. Je vais continuer à m'entraîner. Oh, j'ai une autre idée. Ah bon ? Oui, c'est une magie que j'ai apprise dans... la sorcellerie d'antan. Le livre de magie de Mani ? Ah, oui, il a le seum. C'est facile. Tu te concentres, puis tu claques des doigts. Il a le seum, mais ça fonctionne. Oh, oui, je n'aime pas trop ce son. Mais c'est sympa, non ? La magie noire ne me plaît pas trop, fiston. Elle peut être très dangereuse. J'ai vu ce dont elle est capable. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. T'en fais pas, je la contrôle. La magie dépend de celui qui l'utilise. Tu veux que je t'apprenne ? Nous ferions en fait, mieux ouais, de continuer. Il a toujours peur de... Ta mère et ta sœur nous attendent. Du retour de Mani, Allez, etc. Allez, c'est etc., facile. Donc... Tu pioches dans tes émotions profondes et tu claques. C'est plutôt un truc d'ado. J'ai appris des choses de toi toute la journée. Allez, essaie pour moi. C'est pas possible. Tu dois te concentrer Ils sont davantage. Aussi mauvais l'un que l'autre. Là, rien. Tu vois ? Peut-on arrêter les claquements de doigts pour le moment ? Ça fait de l'écho ici et je n'aime pas trop ça, honnêtement. Bon. Allez, c'est parti. Je voulais juste signaler que les solutions à base de magie ont droit de cité dans le labyrinthe. Ce n'est pas comme ça que ça marche à Daventry. Ouais, en fait, il y a le Sox qui essaye un petit peu de mettre... Je commençais à sentir les traces d'un aussi mauvais caractère entre, chez Alexander. Le père et le Comment fils, pouvais-je fait. Guider sa flèche s'il refusait même de tirer ? Ben oui, c'est un peu le problème qu'on a avec tous les enfants, c'est que on peut pas les guider exactement où on a envie de les guider. C'est eux qui voyagent un petit peu. J'adore quand papa utilise de la magie. Et c'est à nous de les accompagner en fait en tant que parents. Gwendoline, j'ai passé 18 années à imaginer ce que mon fils allait devenir. J'étais en train de découvrir que le portrait que je m'étais fait était différent de la réalité. Et oui, c'est toujours comme bon, ça. Bon, je vais descendre. Tu t'occupes des interrupteurs. C'est toujours comme ça, ouais. Tellement vieux jeu. J'aimerais pouvoir claquer des doigts pour que ma magie réchauffe vos relations. Malheureusement, je n'ai pas de pouce opposable me le permettant. Ah oui. Par où je commence, Madame Le Sphinx. Bon, alors, réfléchissons. Ouais, je présume qu'on doit le faire passer partout. On va tenter, on va voir. C'est à force d'explorer qu'on va réussir. Euh,
suivre le chemin le plus logique, qui me semble le plus logique. Par ici. Non, c'est pas pour autant que c'est une bonne solution. Hein. D'accord, donc il a activé un premier truc. Je sais pas trop à quoi ça sert, on va bien voir. Ah, d'accord. Je vais où, monsieur pas de magie? Oh, tu respectes ton père! D'accord, donc il va falloir qu'il active tous les... tous les leviers pour qu'on puisse avoir le chemin qui se dresse devant nous. Tire ça. Mais celui-là, je l'ai déjà fait, je pense, je sais plus. Ah oui, non, il fait... Oui, ok, il passe par l'autre côté. D'accord. Il reste encore un levier là-bas. Enfin, il reste encore plusieurs leviers. Il faut que je continue à m'exercer à la magie. Pour l'apothéose de Caducée le Majestueux. Ouais, 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 couche toujours. Pendant ce temps-là, fais mes basses besognes, s'il te plaît. Ok. Bon, pour le moment, ça a l'air de pas trop mal se passer. Ça avance doucement, mais ça avance. Nous formions enfin une équipe. Le duo d'archers. Ouais, sauf que lui... Enfin, plutôt l'archer qui parle tout seul et Caducée, l'actionneur de levier. C'est bien résumé. Je suis coincé. Ah. On a foiré. Par où on a foiré, il faut recommencer. Mince alors. Bon, on va essayer d'être un petit peu mieux organisé. Il faut qu'il commence par là, peut-être. Allez, bon, on va pas rater deux fois. On va s'organiser un petit peu mieux cette fois-ci. D'abord, il va faire ce passage-là. Je fais toujours un petit peu ça, rock'n'roll. Hein. J'essaye... je cherche pas encore de trop. Enfin, quand je dis je cherche pas, je suis... j'essaie de rester dans une logique, quoi, mais je suis pas en mode... je suis pas en mode grosse prise de tête. Donc je teste toujours quelques trucs pour voir si... si je peux pas m'en sortir sans... de manière logique, sans chercher trop. Même si je pense qu'il va falloir que je sois quand même un petit peu regardant à ce que je fais, parce que l'air de rien, les épreuves commencent à devenir de plus en plus compliquées. Alors, donc, on a déjà un troisième chemin. Là, on revient par là, donc on réactive ce levier-là. Ça me paraît, pour le moment, ça me paraît pas mal, mais c'est après que. C'est après qu'on va se dire, ah mince, je suis bloqué, donc. Ok, donc ouais, on va revenir ici au-dessus. Voilà. Là, il réactive le levier qu'on n'avait pas activé. Je sais pas pourquoi, mais je le sens assez bien ici. Je pense qu'on utilise le bon chemin, en fait. Il nous en reste que deux. Et il nous reste le levier en... Il y a un levier en bas, je pense, si je vois bien. Et un autre levier au milieu. Ouais, je pense que ça va être bon. Ah oui, ça, il y avait ce levier-là aussi que j'avais pas vu. Ouais, il y aura celui d'en bas. Alors... Ah oui, celui du milieu, on l'avait déjà fait, oui, c'est juste. Ouais, donc c'est bon, je pense que... Ah oui, donc, il en reste... Il en reste encore deux maintenant. Attends. Il me semble que je dois faire ça pour activer le levier en bas. C'est ça, c'est ce que je disais. Et il restera le levier au milieu alors, peut-être. Je sais plus si je l'ai activé.
Ouais, c'est ça, il reste plus qu'une levier au milieu. Voilà, magnifique, ok. Oh, ça va, c'était pas si si compliqué que ça au final. Hein. Ça va encore. Et voilà! Nous étions sur la bonne voie. Avec un peu d'entraînement, Alexander allait être un bon roi pour Daventry. Oh, t'es un bon roi, t'es un bon gamin. Toi. Et voilà, nous continuons notre petit périple avec Alexander, s'il veut bien nous suivre. Ah, ok. Alors? N'ai-je pas raison d'aimer autant les énigmes? Papa, j'ai envie de te frapper quand tu me dis ça. J'aime pas trop les jeux de mots. Bon, bon. Je ne voulais pas jeter un froid. Je saurais que tu n'es pas très chaud. Enfin, pour ça. Oh, purée, quoi. Arrête. Les jeux de mots super enfin, lourds. Enfin, Alexander, tout le monde aime les jeux de mots à Daventry. Essaie, au moins. D'accord. Bon, bon. Comment on appelle deux ours au milieu de l'Arctique? Des ours bipolaires. Non, mais franchement, on ne les appelle pas. C'est dangereux. C'est plus du bon sens qu'un jeu de mots. Ils sont pas vraiment sur la même... le même humour, on va dire. Bon, alors... Allez, Alexander, essayons de résoudre cette énigme. Sinon, on pourrait peut-être, je sais pas, faire un trou dans la glace, là-bas. Pardon ? Alexander, on ne fait pas la course. Le but n'est pas de trouver des raccourcis. Le casse-tête de cette salle a été conçu où, pour réfléchir et encourager sa mère et sa sœur se sont fait enlever. Avec des dalles coulissantes ? Peut-être qu'il a raison, en fait. Je vais attendre là-bas. Mais bon, on va devoir utiliser j'ai la manière... J'ai placé un truc par ici, et je vais faire fondre la glace. La manière à la Graham, on va dire. Bon, alors... ici, on peut bouger que de ce côté-là, de ce côté-là. On va peut-être débloquer d'autres... Ah oui, voilà, ok. Donc il va falloir qu'il atteigne la glace... pour qu'il puisse la faire fondre. Ok. Tac, 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 tac. Réfléchissons. Ah voilà, ok, on va débloquer ce côté-là. Je pense que... Ouais non, ça ne sert pas à grand-chose. Quoique, peut-être... Voilà, je vais pouvoir remonter celui-là. Refaire glisser l'autre. Et ramener celui-là vers le bas. Non! C'est celui-là que je vois. Voilà, ok. Super. Voilà, donc j'ai une première dalle qui est mise. On avance à pas de loup, les amis. Voilà, donc ouais, je vais pouvoir mettre celui-là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça devient compliqué. Hein. Ça devient assez compliqué. Je pense qu'en fait, il faut que je glisse le... La pièce qui est tout en haut, il faut que je la glisse tout en bas, en fait. Il faut que j'arrive à la faire passer. Tac, tac, tac. Comment je vais pouvoir la faire passer?
Alors qu'il y a le truc... le glacier là en plein milieu qui m'empêche de faire le mouvement que je veux. Réfléchissons bien. Je suis désolé les amis. Attention à la tête. Il faut que je teste. Ah bah oui, tout bêtement. Alexander, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour éviter la magie. Je n'ai pas vu d'autre solution. Ah oui, mais tu moi non plus en fait. Pas les quatre règles. Papa, j'ai 18 ans, arrête de me traiter comme un gamin. Ah, c'était bien 18 ans qu'il était parti. Enfin, il n'est pas parti en fait, il s'est fait enlever, mais... Ouais, donc maintenant ça devrait être plus simple quand même, le mouvement. T'as déjà raconté ça à maman? La reine Cassima elle-même était plutôt anticonformiste en son temps. Le mouvement devrait être... Ouais, voilà, ça devient simple en fait. Une fois qu'on a... Il aurait peut-être été plus facile d'être son ami. Être un père avait ses limites. Hein, quoi que... Ah oui, voilà, ok. Il suffit de le redescendre. Voilà, ça va. Une fois qu'on a viré les glaciers, en fait, c'était très simple. Magnifique. Allez, passons à la suite. T'attarde pas sur cette partie-là, s'il te plaît. Ah, d'accord. Il se passe un truc avec ces gens-là. En fait, c'est le monde de la Reine des Neiges. Pourquoi cette histoire est censée m'aider avec Garth? Sois patiente, ma chérie. Parfois, il faut c'est vraiment ça, en fait, hein. Pour que ça aille mieux après. Et vous le verrez même plus loin, c'est clairement ça, en fait. J'ai besoin d'une pause. Je vais attendre là et réfléchir à ce que j'écrirai plus tard dans mon journal, si ça ne t'embête pas. Mais pourquoi parle-t-il tout le temps de son journal? Oh, loué soit les étoiles. L'ambiance père-fille, père-fils. Junior. C'est vraiment chaud, hein? Bon, ici on va devoir jouer avec des dés. Avec deux dés. Où qu'il est des dés? Ok, ça fait disparaître les cubes. D'accord. Bon. Je présume qu'on va devoir avoir le bon côté. Je dois avouer que le manque de participation d'Alexander commençait à m'agacer. Mais je ne disais rien, de peur de finir dans son fameux journal. Bon, ça paraît relativement simple. Veux-tu arrêter de claquer des doigts? Pardon, je fais ça quand je suis nerveux. Ah, ça va mal finir, cette histoire. Ça va mal finir, cette histoire. Il va avoir une engueulade. Père-fils, je le sens bien. Désolé. Bon, est-ce que je peux le pousser comme ça? Non? Et l'air de rien, on sent une espèce de tension, hein, même si ça reste... Parce que dans les premiers épisodes... Alexander, s'il te plaît, ce son me renvoie à des souvenirs extrêmement déplaisants. On avait vraiment de la légèreté, etc. Et ici, on sent vraiment que... Le... Pardon. Que la tension familiale, la tension de l'histoire... Ben, commence à partir vraiment en cacahuète. Alors, ça va être celui-là, le plus compliqué de le mettre au bon endroit. Donc, il va falloir qu'il fasse un truc qui monte. Non, je peux pas le pousser dans ce sens-là. Donc, si je le mets comme ça... si je le mets comme ça, ben c'est bon. Ben voilà. Easy. C'était facile. Pardon. Magnifique. Encore une énigme résolue.
Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir ensemble si vous vous connaissiez depuis encore plus longtemps. Ça va faire combien? 18 ans? Oh, elle est au courant de beaucoup de choses, je vous pense. Vous avez été séparés pendant 18 ans. Désolée, j'ai tendance à confondre les dates. Ok, bon. Allez, on va passer à la suite. Ouh là là là. Ça fait penser au... Ça a l'air difficile. Ah, j'ai oublié. S'il te plaît, non. Je peux pas m'en empêcher. Non, papa, non. C'est vraiment gênant. Oh non. Combien y a-t-il de leviers cette fois-ci? Est-ce l'ultime défi? Avons-nous atteint la fin? Allons-nous en sortir en vie? Devra-t-on utiliser nos arcs? Y aura-t-il une récompense à la fin? Oh oh oh! Et si c'était des vestons personnalisés? Je veux qu'il soit écrit le duo d'archers dessus. Et à quand le prochain duel de jeu de mots? Si on en faisait un tous les jours finissant par I, on s'amuse bien, non? Tu n'es pas content d'être de retour? Moi si! Tiens, c'est quoi la taille de ta couronne? Quand veux-tu commencer à t'entraîner à battre le d'un homme? Est-ce que tu es plutôt preux, sage ou charitable? Allez, je te laisse choisir comment on résout l'énigme, à condition qu'on le fasse ensemble! Ouais. Mais Alexander, je le comprends, quoi, franchement. Ah oui, oui, mais non, Alexander, s'il te plaît. Pourquoi tu as fait ça? Ça avait l'air tellement bien. Je suis pas comme toi. J'en ai assez de ces énigmes. Cette magie est dangereuse. Tu vois? Je t'avais pourtant bien prévenu. Ce son, cet horrible claquement de doigts, c'est ça qui t'a arraché à nous. Je t'interdis de le refaire. Ah, ça c'est le mauvais plan. L'interdire ? Cette magie fait partie de moi. Voilà. Si seulement tu voulais l'admettre. Ah, c'était le mot de trop. C'est pas parce que je suis revenu qu'on est une famille heureuse. J'ai pas vécu vos aventures. Je sais pas ce que racontent les tapisseries du château. Je sais pas pourquoi tu tiens tant à ce chapeau stupide. Mais si tu ne veux pas avoir de famille, alors pourquoi es-tu revenu? Je cherchais un père, pas un commandant, franchement. Je parce que t'es roi et parce que j'ai besoin de pognon. Si je voulais être pour me taper de la coke et des putes. Je serais resté avec ma nanane. Ne me compare plus jamais à cette personne. Il t'a volé ton enfance. Que tu le veuilles ou non, papa, je suis un adulte. Et maintenant, c'est toi qui me voles ma vie. Ce n'est pas une manière de parler à son père, Alexander. Ce n'est même pas mon nom. Tu sais quoi? Séparons-nous pour les retrouver. T'as ta façon de faire, et moi c'est j'ai bien la ce que je pensais. Je ne fais que te ralentir. Et c'est là-dessus qu'on va clôturer l'épisode. Ah là là, c'est dur. Très bien, finis alors. Tu as raison. C'est dur, c'est dur. Tu ne fais que me ralentir. Et voilà les amis, ben, fin de l'épisode sur, quelques mauvaises nouvelles, puisque... notre petit Alexander a décidé de tracer sa route, mais bon, d'un autre côté, voilà, je le comprends parce que son père est un peu est largement relou. Donc voilà, on va voir ça dans la suite des épisodes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je suis enfin de retour un petit peu à des épisodes un petit peu plus souvent. Donc ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis vraiment content de faire ça. J'espère que ça vous plaît aussi. Et puis ben voilà, portez-vous bien, plein d'amour sur vous et plein d'amour à travers tout YouTube. Je suis désolé d'être moins actif sur les autres chaînes. J'essaye, je fais de mon mieux, mais bon voilà, j'ai aussi une vie et voilà, je peux pas faire tout ce que je voudrais malheureusement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve une prochaine fois et voilà, c'était Fashram pour vous servir. Allez, salut, salut, ciao, ciao.